Allez, on est reparti pour un live en les sub en... Est-ce que c'est bon les gars ou pas? Allez. Vous avez bien eu raison de rester dans le coin. Vous avez reçu la notif ou pas quand j'ai un live on les sub? Je me posais la question les mecs. Terminé. Ok, bah ça c'est une bonne chose ça. Enfin. Quand vous regardez un live les mecs, des fois je peux faire une after. Donc ceux qui sont abonnés les gars, tenez-vous au courant. Vous restez genre, en général j'attends pas non plus 10 minutes, mais genre 3-4 minutes. Si vous voyez qu'il n'y a rien, bah vous pouvez vous pouvez partir. Mais il se peut qu'il y ait des lives surprises comme ça, des lives sauvages en list sub entre nous. Donc ça va, c'était kiffant les mecs. Red Dead, vous avez kiffé? Salut Street Night, PGM Bru, Kulemak, Azeu, merci les gars, merci beaucoup d'être là, c'est cool. Bah la dernière fois, je sais pas, sur Discord, j'ai des doutes concernant. En fait, le problème sur Extra, c'est que les preuves à la limite des abonnés Twitch, ça on prend, y a pas de souci parce qu'il y a des primes, donc c'est forcément des mecs des vrais abos. Mais sur D-Live, Devet il a offert tellement de subs à tout le monde qu'il doit y avoir quoi, grand max 40-30 personnes qui ont payé vraiment leur abo sur Twitch, sur D-Live. Donc ça forcément dans le tas des mecs, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, peut-être des infiltrés, parce que la dernière fois il y avait quand même 3-4 stalkers. Hein. Donc je sais pas si on fera... Bon, tant que s'il y a personne qui crame, les gars, au pire s'il y en a un seul ou deux qui demandent, oui, tu le fais pour eux, mais bon... Que pour les Twitchers, à la limite, les abonnés Twitch. Surtout quand vous avez pissé sur le Mexicain. Ça t'a aimé ça? Le petit pipi sur le Mexicain, ouais, je sais pas, je sais pas si j'étais inspiré, mais... Ça t'aime bien, genre de RP. Putain, et dire qu'Ayemba, il voulait que je le bute, putain, je l'aurais... Ça aurait été tellement beau, les gars. De dos comme ça, genre dit 5. Comme la scène de... Il y en a qui l'ont vu, le film, Maman, j'ai raté l'avion. 5, 2, 10. Ou sinon, tu repars et je te termine avec du calibre 12. Tu peux garder la monnaie, ça me dérange pas. Ouais, il a tout ruiné, il comprend rien. En plus, je l'ai dit de rester en stand-by, de regarder un petit peu. Normalement, il est censé être attaché. Il devait pas faire ça en fait. Normalement, il est censé être surveillé, attaché. Il peut pas pousser. C'est nul. Franchement, c'est pas terrible ce qu'il a fait quoi. C'est dommage qu'il y en a qui comprennent pas le. Comment dire? Je sais pas s'il y en a qui vont comprendre dans le RP. Surtout dans des serveurs comme il y a des bons joueurs qui n'ont pas une vision, est-ce que vous allez me rejoindre là-dessus, cinématographique. C'est-à-dire, ok, je mets mon perso de côté, mon ego et tout, juste pour le bien que la scène soit jolie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah, c'était un troll, ok. Juste des mecs qui vont travailler ensemble, parce que c'est ça, on travaille tous en équipe pour avoir des jolies choses. C'est pas genre, on prend, tu vois, on essaye de mettre l'autre dans la merde, etc. C'est vraiment pour que... ça rentre comme un film. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Les Twitcheux. Je crois avoir compris que ça fasse une scène cinématographique cohérente, voilà. Que ce soit, je sais pas, ouais, au niveau de la direction artistique, que ce soit, ouais, voilà, très cohérent, très joli à voir, en photographie et tout, et qu'il n'y a pas un mec qui fout de sa merde, quoi, tout simplement. Bon, allez, live simu, c'est parti, les gars. Ah, merde, ma caméra. Enfin, vous avez compris, c'est ça le principal, les mecs. Bah j'espère que ça vous a plu les gars, j'essaie de... On se donne du mal les gars avec les autres pour faire des jolies choses et je pense qu'il y en a qui ont compris. Je pense même ceux qui connaissent le stream, ils vont faire en sorte que ça rentre bien en live, donc c'est cool, on n'a pas de trolls de merde qui viennent casser les couilles quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon j'espère qu'on va être accompagnés, ça serait très bien comme la dernière fois, c'était cool. Non n'est-ce pas les gars? Mais bon, ça va. Dans l'ensemble, on a à peu près, avec les joueurs, la même vision du RP. Pas des mecs qui sont en égo de merde. Donc, d'un côté, c'est bien. C'est intéressant. Salut Riri, heureux de voir que ça va mieux. C'est-à-dire, ça va mieux, MBN. Ah, pour quoi? Pour ma fille? Ouais, ça va mieux, t'inquiète. Tout va bien. Alhamdoulilah, ça va. Sinon, des D-Liveux, c'est des D-Liveux qui ont... attends, je vais voir s'il y a un mec qui peut... Au pire, ce que tu fais, t'en prends... Ouais, parce qu'on est... c'est calme ce soir. Regarde ce qu'il y a... Go Discord. Merde. Quelqu'un peut avertir sur... Putain, je suis en double PC, putain, j'ai la flemme d'aller... Attends. Oh, là, je suis con, moi. Go Discord. Extra, t'en fais un pour les D-Liveux, sinon. Tu t'assures bien que c'est des gars corrects qui font pas la merde. Rechange le chat, c'est celui du live précédent. Ah ouais, bien vu. Alors, en général, ce que je fais, c'est une capture de fenêtre. Mais content que dans l'ensemble, ça va, ça vous a plu. Ouais, dead. Bon, après je peux faire un petit troll en infiltré, troll CS ou troll Valo, hein, les gars. Oh, il y a Mimi. Oh, il y a Mimi, c'est bon ça. Ouais, non mais il est pas du tout bourré même. Mais non. T'as vu comment il écrit Elle m'avait insulté de ouf, elle. En plus, il a bien écrit. Un peu ce Mimi ch'to, les gars. Benny, je croyais que t'étais puceau. Tu me caches des choses. Et t'es enceinte alors? Ouais. Ah ouais, Lucien, sur quoi? Sur le N-word? Il faut que je le dis un peu trop souvent, ouais. Comme Zerator, c'est vrai? Lucien? Non, moi j'ai déjà mon fils, moi. Mais c'est pas grave. Valo ou un troll Valo ou CS? C'est jeune, mais bon, on verra, les gars. Parce qu'un troll CS Valo avec des FR, les gars, ce temps-là, je sais pas si je trouvais des gamins. Ouais. Moi je suis vieux, moi. T'as quel âge? 32 ans, moi. Ouais, j'adore les beats de trentenaire. T'inquiète. On peut s'arranger. Coucou François. Oui. Bon, t'habites où, François? Parce que tout à l'heure, François, vous êtes sérieux, les gars? J'habite en Brésil, le foyer, le manoir. Starf. D'accord. T'as une femme, François? Il se branle? Non. Elle est un peu jeune, François, quand même, non? D'accord. Et quand tu vas faire de la confiture, tu la donnes à qui, la confiture? Bah toi, si tu veux. Oh ouais, trop bien. Je t'envoie mon adresse. Oui. Ok, je la reçois dans combien de temps? T'habites où? J'habite à Bourges. Ah oui. Non mais c'est quoi cette blague? T'as quel âge, François? 50. 50 ans? Oui. Il a pas 50 ans, les gars. Ok, François. Il se branle. Toi, t'es marié? Toi, t'es marié? Oui. Mais moi, je suis polygame. Starf. Tu pues de la gueule. Regardez, c'est qui le premier qui va monter? Bingo. Ouais, tu pues la merde. Tu le sais que t'es une puante. Une pue la merde. En plus, enceinte, t'es clochard. Tu devrais avoir honte, wallah. Montre tes cheveux, s'il te plaît, arrête de parler. Il est sérieux, lui, monte tes cheveux, ouais. Honte, t'es une honte sur le Coran. T'es une honte. Évite de mettre le Coran là-dedans, espèce d'enculé. Surtout, dis pas ça. T'es une honte. Wallah. Choum alek, wallah. Clochard, crasseuse. Donc le mec il fait ça, il arrive et l'insulte. Avec son bloc, je suis mal fini. Bon attendez, je vais faire une pause de boisson les gars, je reviens. Bon je crois qu'on va rigoler ce soir. Prévenez Yemab s'il est en live les gars. T'es pas bonne si t'as trop de graisse par contre. Peut-être que je ferai aussi un peu de bigot. Pardon mais c'était trop. Peut-être que si je vais le tèche tout le temps, peut-être qu'il va fermer sa gueule. Ça part en clash ici. Bonsoir déjà. Bonsoir Jay. Ouais, bah je viens d'arriver et après j'entends des pics, des clashs, l'AMSO qui monte. Après voilà, je viens aux infos, il se passe quoi ici? Bah lui tu vois c'est un clochard qui habite dans un local à vélo. Et ouais. Qui essaie de nous tailler parce que je veux pas lui sucer la queue, voilà, tout simplement. Pourquoi ça parle de sucer? Tu veux sucer des gens? Et qu'il est obligé d'aller se taper Mimi Ducex pour se faire sucer. Tu veux sucer des gens? Ouais. Enfin, pas moi, hein, c'est lui. Lui, il veut sucer des gens. Du coup, Jay, t'as un petit micro à côté de ton nom, c'est parce que tu chantes? Oui, c'est ça, je chante. Super, tu peux nous faire une petite démo? Bah, je te ferai une démo en live si tu veux. Bah, en vrai, là, en réel, je veux dire. Moi, j'aimerais bien te rencontrer, en fait. C'est tout ce que je voulais dire. Et là, il y a 2 secondes de... Bah, on se rend compte si tu as une belle voix. Tu nous fais écouter ça? Allez. Pas de soucis. Promis, t'as un date si tu as une belle voix. Pourquoi tu parles de suicide depuis tout à l'heure? T'as envie de... Jay? Salut, Mimi, ça va? Salut le breton. Qu'est-ce que ça dit? Bah écoute, rien de spécial et toi? Oh, j'avais une question pour toi là parce que j'ai l'impression qu'il y a une soirée qui se prépare sur Lovoo. Mais d'abord, est-ce que tu crois que je continue à jouer Nico en midline ou pas pour ce soir? Sais-tu quoi? Est-ce que je continue à jouer Nico en midline ou pas? Parce qu'en fait, moi, j'aime pas les assassins. Et malheureusement, je me fais un peu défoncer par les assassins, tu vois ce que je veux dire. Donc, je pensais continuer à jouer à Nico parce que je trouve que je l'aime bien. Voilà, mais je sais que Lux poke bien, surtout si apparemment tu prends la moisson noire. Moi, je préfère prendre la comète. Voilà, t'en penses quoi? Alors, attendez. Oui, d'accord. Ok, bah super, je vais continuer Nico. Je te remercie, Mimis, bonne soirée. Oui, bonne soirée. Je pense qu'il manque des neurones là, non? Je sais pas. Allez, Jay, on t'écoute. Bon, c'est pas grave, je me lance quand même pour avoir le date avec Mimi parce que je l'aime bien. Allez, Jay. En ma tête, elle ne m'abandonne jamais. Je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae. Elle me suit à chaque voyage loin d'ici. Elle est ma Mimi Mélodie. Voilà. Elle s'est cachée carrément. Elle a rigolé, elle s'est cachée. En gros, elle a pas aimé. Non, c'était super. C'est ça. Je mérite le date ou pas? Oui, tu mérites le date. Elle a rigolé, je sais pas. Il y a mon Insta là-haut, tu peux m'ajouter si tu veux. D'accord. Mais moi, je parle pas chinois, je viendrai vraiment. On peut te rencontrer, boire un verre ou... Oui, oui, pas de souci. Oh merde. C'était quoi ça? Vas-y, tu peux me chanter ma Lady Melody, s'il te plaît? Moi, il n'y a pas un micro à côté de moi. Allez, 1, 2, 3. Elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais. Je la trouve encore plus belle quand Loïs me mange les fesses. Il me suit. Ah, le match, il me régale. Mais en vrai, pourquoi il a chanté? Pourquoi il a chanté? C'est pas chanté. Je sais pas. Oh, Lamso, monte et fais-nous un petit freestyle. Ah, il s'est passé quoi, les gars? J'ai raté quoi? Vas-y, monte et fais un freestyle. Et on cross plus ta coupe de flambier. François, il est remonté ou pas? Mais le problème, c'est qu'elle va me griller, les gars. Oh putain. Je pourrais faire du RP guitare. Allez, Lamso, on t'écoute. Le flambi et dents pourries. En plus, il y avait. T'as raté une masterclass, merde. Vas-y, je vais même pas le calculer. Attends, vous êtes sérieux, j'ai raté Yebab. Un freestyle. T'es une clocharde. Oh, arrête de dire que je suis une clocharde. Le compte de t'es mort, tu sais que dire clocharde, ça pue que ta mère. Oh, va baiser tout. Oh, c'est bon. Chante dans la faille. J'ai envie de terminer, lui. Chante, chante, Zemel, chante. Chante, chante, Zemel. Chante, clochard. Il est où le papa de ton fils? Il est dans le local, il est dans le local à vélo. Ses voisins l'ont hagard parce qu'il a trop ouvert sa gueule. Avec sa tête flambée, ses dents pourries. Oh putain. Pourquoi tu veux que je remonte? On veut que tu nous chantes une deuxième musique. Putain, je cherche la guitare. Mais les gars, elle me connaît, les gars. Faut pas que je monte mon visage, du coup. C'est chiant. C'est déniqué. J'attends que tu viennes me manger le clitoris. Mais je comprends pas. T'invites dès ma femme à manger le midi. Et moi, je suis en train de dormir. Je me réveille, je vois putain un message, j'invite une copine à manger le midi. Moi, je pète un plomb, je casse tout chez moi. Bon, allez, j'arrête, je suis gênante. Vous êtes mignons tous les deux. Ouais, je suis gênante là. Attention, Adjay, il cherche à avoir les papiers. Chérie bébé à moi. Là, arrête de chanter. Sur le Coran, tu sais pas chanter. Sur le Coran, tu sais pas chanter. Sur la vie de ma mère, chante plus, grosse pute. Chante plus, tu sais pas chanter. T'as pas de voix. Chante pas. Pute, sale moche. Déjà que t'es moche. En plus, tu veux faire des clips et chanter. Mais t'es nouveau riche à Lamborghini avec son vieux Bob. Il est dans son local à vélo, prêt à se faire à taille par les voisins. Mais je ne comprends pas, il ressemble à Boudère, mélangé avec François Hollande, le flambi avec son nez cassé. Il se fait niquer par les clients de la cassée. Nouveau riche, nouveau pauvre, ses dents pourries, putain son haleine c'est Veolia. Il y a plein de gens, vous êtes plein les jaloux. Oh là, j'ai pris des jaloux. Putain, même ta barbe, elle est même pas taillée. Des jaloux. Parce que vous êtes des jaloux. Rote, ça va sortir bientôt, tu vas vomir. Elle sait que je suis beau. J'ai rien contre toi, poteau, mais tu ressembles à un mec que j'ai niqué, putain. Voilà, je suis remonté, je réponds à... Attends, c'était qui m'avait dit je cherche les papiers? Je suis français, hein. Celui qui a dit que je cherche les papiers déjà d'une. On veut une autre... Non, moi je veux que tu chantes du dadjou. Je tombe amoureuse quand on chante du dadjou. Ça marche pas avec moi. Hein. Je suis pas un jukebox. Moi j'ai écrit mes propres chansons et après là j'ai chanté. Tu m'as demandé de. Mais t'as chanté ma Lady Melody. T'as pas chanté une chanson à toi? Ah bah ouais, en une minute c'est chaud. Ben je te mets 2 minutes. Tu chantes une musique à toi alors. Après si tu veux, mais attends, en tout cas tu me dois un date. C'est sûr. Et ouais, Yebab, les gars, il s'est fait ban ou pas? Ouais, ça je connais la chanson. Bref, on verra. T'inquiète, ouais. Jay, il faut que si tu veux que je te suce, t'inquiète, on est là. Non, même pas, moi je demande. Elle a déjà sucé, les gars? Bon, Guy, on est là. Non, mais moi je fais que ça, moi par contre. Hein. Si tu veux te mettre en couple avec moi, ça n'existe pas. Bondi, on est là, représente. Putain, Loïs, avec son grand front, on représente. On est là, toujours. Je te taille, mais t'es mignon. Tu manges la foufoune. Non, moi, je suis bien célibataire, moi. Non, mais non, t'es pas bien, je le sais. Eh si. Mais je sais, tu m'appelles tous les soirs pour pleurer, Loïs. Arrête un peu. Ne dis pas devant tout le monde. Après, ils vont me crosser tous. Ça devait rester entre toi et moi. Voilà, Amso, frérot. Si tu peux, Amso, viens à la maison, je t'offre une chaise. Machine. Attendez, vite fait, je me pose avec ma fille. Ok. Tu devais avoir le date si tu chantais bien. Et franchement, ça puait la merde, frérot. On le prend pas mal. Hein. Mais c'était pas ça. Oui, mais ça se trouve qu'il fait bien l'amour. Donc moi, je m'en fous qu'il chante bien. C'est pas la radio, il y a Skyrock. Hein. Moi, si vous voulez... vous chante une musique. Vas-y, bisous Benito. Bisous Benito Pépito. Oui, je suis en manque, Quentin, oui. Oui, c'est la vérité. Putain, il a compris, nouveau riche. Il s'est barré, ce fils de pute. C'est qui, nouveau riche? Ben, nouveau riche, c'est l'Amso, là, je sais pas quoi. Je te dis, il a plus de batterie, ce clochard, c'est tout. Ah ouais, ce local à vélo, donc... c'est sûr. Ah ouais, c'est vrai. Il a déjà laissé... Baisse le son de ton téléphone. De quoi? Baisse le son de ton téléphone. Pourquoi? Parce que je m'entends en écho. Et là? Elle est pas trop belle, ma chatte? J'aime pas les chats, moi. Dis qu'elle est belle. Je te montre mes chiens, ils sont plus beaux. Dis qu'elle est belle, ma chatte. Ah, t'as une belle chatte, hein. Merci. Elle est poilue, mais toute douce. Ah ouais? Ouais. Je l'aime trop, c'est ma fille. Dis à Jay qui vient de la caresser. Jay, tu veux venir caresser ma chatte? Par contre, pas trop de bisous sur ma chatte parce que des fois, il y a des poils qui vont dans la... Je serai là. Caresser la chatte. T'écoutes. Douce de la chatte. Accorde-moi une chance. Car je t'enverrai au 7e ciel. Je vends comme un... Voilà, allez. Je t'ai laissé 35 secondes en train de... Ah, ça parle trop. Mista.06.07.1m jet 7. Mon son, tu le kiffes, impossible de prendre fuite. Du beau, du lourd, du neuf, je vais un 10 sur 10. Je fais un attentat comme le 11 septembre. Te descendrai comme un pack de 12. Je serai pour lui son vendredi 13. On la met mal à l'aise, numéro. Ou non, numéro. Ou non, c'est Jay. Dance all timing, délit, dance all timing. Que la ragamuffin qui me donne bonne mine. Mais passe-moi le mic, je fais sonner tes copines. C'est Jessica, le king du rythme. L'ambiance est chaude et coquine. Tu frotter pour l'adrénaline. C'est sur mon son qu'il y a de la vitamine. Il y a de tout, tease et cocaïne. Salut. Miskina, j'ai fait twerker ma chatte, wesh. T'aurais pu twerker là? T'aurais pu twerker? Mais non, je suis en culotte. Eh ben, il t'a fait de la dancehall, c'est pour twerker. Oh putain, merde. Et t'aurais pu le matcher, il a géré là. Ouais, c'est vrai, franchement, ça va, c'était cool. Ah, c'était mieux là que la première fois. Ouais, c'est là où on dégage les mecs. Que tes conneries, Louis. Non, je veux juste qu'il me bouffe la chatte, lui. Mais pourquoi elle aime trop se faire bouffer la chatte, elle? Sexuelle. Mais je oui. Je suis pas un mec facile, c'est pour ça. Il y a du potentiel, il est revenu ou pas, l'autre? Je suis pas un mec facile, je suis pas un michto. Tu payes combien? Je sais pas. Je suis une pute de luxe, alors. Oh putain, je suis KO là. Il se branle? Ouais, moi aussi, je commence à fatiguer, là. 50 €. Je suis sûr que Choupa, il peut sortir avec elle. C'est pas une pute de luxe. Je suis sûr que Choupa, il pourrait. Vas-y, moi, je veux que tu remontes. Elle kifferait Choupa, les gars. Eh, hey, t'en as pas eu assez? Moi, j'ai dit, je me déplace maintenant, moi, si tu veux. Non, mais il est 2 h du matin, là, c'est tranquille. Attention War, les gars, confirmed. Pourquoi t'es disponible quand? Je suis disponible que à partir de 4 h du matin. 2 h, c'est trop tôt. Terminé. Ah bah, 2 h, c'est trop tôt, mais c'est le temps que je vienne, il sera 4 h, c'est bon, tranquille. Il veut la ken? Aïe, Seigneur. Putain, j'avais oublié que ma lampe, elle s'est pétée dans ma chambre, putain. À Bourges. Ah bah, je sais pas, j'ai pas... T'es mal à la taille du clébard. J'ai mal à la gorge, en plus. C'est chaud. Oh, vous pouvez arrêter de dire où j'habite, s'il vous plaît? Par contre, je suis désolée, mais je vais faire un pipi, là. Bourges, en 4 h, j'y suis. Pourquoi comme ça tu veux manger la foufoune? Venez manger la foufoune au bougre. Il a de la Monster. Ouais, j'ai reçu un nouveau colis, ouais. Ils m'ont Monster. Par contre, ils m'ont envoyé ça, c'est des sans sucre, goût pomme, je crois. T'aimerais bien goûter, hein? Tu as goûté à ma petite Monster, Oro, hein? Elle est partie? Moi, elle me fait chier, là. On va aller trouver une autre. Une autre avec qui on pourra bien s'entendre. Ouais, elle est bonne. Franchement, goût de pomme, elle est pas mal. Tu faisais ça dans le... I say maybe don't wanna be the one that saves me. Monster... Ah, c'est nouveau, alors. Putain, ils m'ont envoyé des nouveaux, alors, du coup. And after all... Vous ? Alors, je fais une chanson, les gars, j'improvise une chanson, les gars, dites-moi les mots, des mots que je puisse intégrer, les gars. Je vais essayer d'intégrer le mot pubis. Pubis, c'est un joli mot, ça, pubis. Son père à côté, là. Comment il s'appelle? Tu sais? Non, si tu dois savoir. Attends, je vais te trouver. Mais les équipos ont des grosses voix rauques, des grosses voix de bâtards et des vrais mecs, quoi. Des vrais mecs? Ok, ça, c'est pour moi, ça, les gars. Attends. Ça, c'est pour moi, ça. Comment il s'appelle son par contre, Aichi, tu sers à rien, en fait. T'es infiltré pour de la merde, hein. Je vois ça, hein. Ah, il est parti, en plus. C'est un crevard, mon frère. Hein, petite merde. Mais il a pété un câble. Il a juste pété un câble. Ça va ou quoi? Merci, Jessica Bordallo. Vous pensez qu'elle va être séduite, les gars, ou pas, elle? Ah, sympa, sympa. Ça doit faire bizarre, non? Le nom de tes parents et nom français en japonais. Ça doit être bizarre. Enfin, ça veut pas... Pourquoi je dis bizarre? Salut Alphacast. Comment tu vas? Ça dit quoi comme nom? Ouais. Mais c'est pas toi qui fais des streams sur Internet? Des quoi? Bon, laisse tomber. Delia. Attends 2 secondes, parce que j'entends mon retour. C'est pour toi, Delia. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu aimes la pizza comme moi? J'aimerais donner ta part dans un parc. Je lèche le pubis tout doux car t'es bonne. Dénia la purée en pleine face, tu vas recevoir. Dénia, 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 Dénia. T'es tellement mignon. Ouais. Mais Delia, match-moi. Ah, t'es encore là, je savais buguer. Quand on se rencontrera dans la vie, je t'inviterai au resto. Qu'est-ce que tu choisiras comme plat? Dis-le-moi, Delia. Si je t'invite par exemple à l'hippopotamus. Elle n'aime pas l'hippopotamus. Elle aimerait que je l'invite chez Flunch. Chez Flunch, il y a le T-bone steak avec légumes à volonté. Il y aura des carottes, petits pois. Des carottes, petits pois. Des carottes, petits pois. Et surtout, des frites. Surtout des frites à volonté. T'aimes ça quand il y a de l'huile, beaucoup de beurre comme moi. J'aimerais me retrouver dans tes bras, ma petite Elia. Ma petite Elia. Ok, c'était bien gentil. Alors, tiens, cadeau. Ouais! Alors, dans le chat, allez tous vous faire reculer, personne n'a réussi à la séduire sauf moi. Yes! Hein, c'est qui le patron? Personne n'a réussi à avoir de cœur. Le petit mot dans le chat, là, le Renoir, là. Bouffon va que tuer. Bouffon, salut. Allez, je vais pouvoir la parler en DM, elle va glisser, je vais glisser dans ses DM, comme je vais glisser entre ses seins, on va se lécher. Pardon, excuse-moi, j'étais en excès de kiff, excuse-moi. Pourquoi tu te tires des fucks là, Jean-Michel? Tu te prends pour qui là? Ouais, on voit pas de fuck. J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré 100 fois son visage. Je tirais de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. J'ai appris par cœur la pureté de ses formes. Parfois je les dessine encore, fait partie de moi. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. Un petit flunch avec toi, Léa. On fera l'amour toute la nuit, ma petite Léa. Tant pis si tu me l'interdis, ma petite Elia, je te dis que tu es bonne, sa mère, t'es fraîche. Bon les mecs, il n'y a personne qui pourra rivaliser ce soir. C'est moi qui suis dans son top one. Let's go, hello, iShield, grosse merde, va. T'essaies de charrer des filles depuis tout à l'heure, je l'ai vu sur les autres lives. T'es naze, over naze. Qui c'est qui a chopé la plus belle? Alors ferme ta gueule maintenant, bouffon, va. Merci Delia, bonne soirée. Non, je suis obligé de répondre à Edouard. Je suis obligé. Je suis obligé, je suis obligé. Désolé, bonjour. Salut. Salut, salut. En tout cas, enchanté Delia. Les gars, c'est qui ce mec? Il a fait dernière danse. C'est un... Ok. Bah, je vais essayer d'avoir un cœur et d'être dans le top. Ouais, c'est ça. Ouais. Déjà, parle bien. Ok. C'est un challenger. J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré 100 fois son visage et trouvé de l'or, quelques étoiles en essuyant tes larmes. J'ai appris par cœur la pureté de ses formes. Parfois je les dessine encore, elle fait partie des liens. Je veux juste new challenger. Avec ma Delia, je suis venu sur son live. Je veux juste. C'est un gars du stream, ça? Delia. J'aurais dû placer le mojis, non, les gars? Et coulante. Mais c'était un peu trop grossier, non? Vous avez soir avec moi. J'ai fait couler mon jeans sur son corps, la flèche a traversé ma peau. Pour ceux qui me connaissent pas, Payet, deux noirs de suite, eh ben, c'est la vie. Hein. Qui a dit deux noirs de suite, hein, les bâtards. Là pour chanter. Je m'en fous de ce que Delia pense, je m'en fous de ce que vous pensez. En vrai. Nous, on a la passion, on aime bien chanter, et puis voilà, tout simplement. Après, si, je sais pas si... Elle a des jolis yeux, les gars, mine de rien. Vraiment. Ouais, je sais qu'il était passé sur l'autre live, les mecs. Le mystère, le suspect... On le laisse, les gars. Salut, Jean. Bonne question. En gros, on dirait un mec de Koh Lanta. Bah ok, Edouard est le premier à être matché, il n'y a pas de souci. Ah, Nextel, qui a gagné les gars? On est ensemble. Bah oui, Denis, pas de souci. T'as de beaux yeux, ma belle. Oh, bah c'est gentil, Cara. Ouais, elle a des beaux yeux. Hein. C'est gentil. Elle doit avoir des draps tellement propres. D'ailleurs sur Lovoo, Clara. Non, mais c'est quoi ces zigotos? Oh là 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 là. Bon, allez, à la prochaine personne. Bon, elle était cool. On a eu ce qu'il fallait. On va draguer un mec, les gars. Riri Win. Il regarde un porno ou quoi? C'est quel film? Ouais, attends, on va essayer de deviner. Quoi? Mais c'est quoi ce film? Attends, je crois que je l'ai... C'est pas, c'est bien... Le bébé là. Attends, c'est... C'est pas Serbian Film? Serbian Movie, parce que je l'ai déjà vu ce film. Non, c'est pas Human Centipede, je les ai tous vus. Par contre, le film d'horreur, il a l'air de... Ouf, c'est lequel celui-là? Non les gars, dites-moi c'est quel film? No fake, je vais le voir ce soir. The Farm, ok. Il est sur quelle plateforme? Et il est bien? Non, c'est pas Serbian, parce que Serbian, c'est pas ça, je l'ai déjà vu le film. Il y a un mec après vous qui vous a clash. Ah ouais? Attends. Oui, je t'envoie un message PV, Denis, t'inquiète. Et il y en a, il m'a fait l'air, c'est les gens. Il est horrible, fais gaffe. Incroyable, mais hyper glauque. Ça va me mettre raciste. C'est ça le mec qui vote au Front National. Qui l'a vu? Il est bien? Il est vraiment bien ce farm? Vraiment? Vas-y, je le vois. Oh, eh oh, petit mot, calme-toi. On va se calmer, sinon vous allez jarter là. Mais petit mot, t'énerve pas, oh là 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 là. Il est sur quelle plateforme les gars le film? Prime Vidéo, Netflix? D'accord. Oh non, ouais, je monte parce que le mec juste avant là, il a... alors qu'il y avait deux Renois là, des soins, et ils ont bien chanté en plus. C'était beau. Bon, mais il est pas mieux que Human Centipede. Il est clash. Il est pas aussi bien. Pourquoi il est clash? T'es sûr, Shax? Bah, j'en sais rien moi. Attends, je vais voir si les photos sont fidèles. Eh, Typix, t'as rien à dire, tu fermes ta gueule. Tu montes même pas en cam. Bon les gars, il m'a déjà saoulé. On va aller dans les tendances. Celle-ci, on le sait. Salut, Boulou. Je vois comment elle boit Zermain. Quel jaloux. Un petit service Zermain. Elle n'est pas jaloux. Alors, je vais voir qui alors du coup. Priscilla, 22 ans, italienne. Elle... J'ai envie de clasher là-bas. Je le clash la benne. Oh putain, ça peut être masterclass. Ah, Mbappé, t'es là ou pas? Un Mars ou un Uno? Un Mars ou un Bueno? Moi, je préfère les Bueno. Je préfère les Bueno, moi. Je dis un Mars ou un Bueno? Mais moi, un bueno, je préfère. Attends, il y en a un autre. Salut. Oh non, mais... C'est lui. C'est celui de la vidéo de YouTube. C'est lui, wesh. De quoi? On te connaît, mec. C'est quoi qui te fait rire? Non, mais c'est bon, et Ryu, je t'ai c'est en direct, je t'ai grillé, frère. C'est bon, t'es grillé. Voilà. De quoi je suis en direct? Ryu, t'es grillé. Bonjour, ceux qui sont sur le connaît, frère. On te connaît. Bon, les gars, les deux puceaux là qui essaient de charrer Priscilla, fermez-la, laissez-moi lui chanter une chanson parce que vous ne servez à rien. Mais si là je t'aimerais en bien parce que t'es une fille remarquable. J'aimerais te pécho délicatement et éviter ces gros puceaux. Ne te laisse pas faire par ces gros gogogones. Explique s'il te plaît, je suis plus beau que. Maintenant, s'il te plaît, Priscilla, match-moi. Je ferai découvrir l'amour, le vrai. Oh, l'Italie, j'aime ça parce que j'aimerais vraiment te pécho, c'est vrai. Priscilla, j'aimerais vraiment te pécho, Priscilla. Tellement t'es bonne. Sauf que on te connaît quoi. Ouais, et alors ça change quoi? Ça change rien à ce que vous soyez des gros bolosses à rester sur l'application et essayer de charler une meuf qui vous esquive depuis tout à l'heure, bande de bouffons. Non, ouais, Priscilla, mais juste en fait, juste quand tu veux venir avec un vrai prénom, mais je sais que t'es dans ton acting de personnage, mais t'inquiète, je t'aime bien. Mais juste quand tu viens avec un prénom, juste Edouard, quand faut que ça aille avec ta tête, parce que du coup là, Edouard et ta tête, ça va pas trop là. Mec, Zemmour 2022, idiot. C'est quoi ton problème? Ah ouais? Bah j'ai pas de problème. Le prénom, ça fait pas tout, mec. J'ai un prénom républicain. T'es jaloux? Non. Bah sois pas raciste non plus. Bah si, je suis républicain. Liberté, égalité, fraternité. Bon, on s'en fout, ça ne nous intéresse pas ce que tu dis. Priscilla, donc voilà, donc je suis là, je t'ai fait ma petite déclaration. Le Titi, tout ce qu'on voit, c'est un putain de fragile qui a un vieux tatouage dégueulasse. Alors, il s'amuse à dessiner. Va faire de la marelle dans une cour de récré, de t'amuser à dessiner Walt Disney sur ton bras, guignol. Tu passes ta journée à faire des vidéos, donc c'est pareil pour toi. Ouais, mais moi, à cette heure-là, je fais des vidéos et j'encaisse de la thune. Moi, au moins, je pourrais entretenir Priscilla, contrairement à vous, bande de RSA Man. Mais nous, on n'a pas besoin de vidéo pour voir. Axou, c'est vrai que tu as un vrai viewer, tu ressembles à oui, le Dog Sucker. C'est un mec sur mon live qui fait des choses. Je te jure, tu le ressembles trop. Ah voilà, la tête Dog Sucker. Si un jour il passe sur mon live, je vais pas le rater. Alors, on y va. Priscilla. Laisse pas abattre par ces blouses. Choisis-moi, je t'emmènerai au 7e ciel. Regarde. Réjouir, je lèche entre tes seins. Je t'emmènerai pas la purée en pleine face. Mérite pas ça. Priscilla, laisse-moi. Je serai ton homme solide. J'aimerais t'entretenir de ma chaîne YouTube. Des milliers d'abonnés. Je te emmènerai à la place de la Bastille. Ensuite, je te ferai découvrir Paris sous toutes ses formes, notamment à Pigalle et ensuite au Bois de Boulogne. Parce que t'es une fille remarquable, tellement si belle que tu. Au Bois de Boulogne, il a mis ce bâtard. Il est du blagne. Bon, Priscilla, t'as une bouche, il faudrait peut-être qu'un jour tu l'utilises. Alors, comment tu m'as trouvé? Éclaté au sol. J'ai rien à dire pour ma défense. Voilà. Les gars, elle est subjuguée par mon talent. Elle a rien à dire, elle est tellement scotchée. Bon les gars, au lieu de servir à rien, les gars, vous voulez pas faire quelque chose, non, d'artistique un petit peu pour les faire plaisir, non, rien du tout. Même pas, vous n'avez pas un semblant de talent, non? Frère, si tu savais ce que je faisais, mon pote, là, comparé à ce que tu as fait, c'est que dalle. Bah vas-y, alors montre. Tu veux que je te montre? Bah c'est bien beau de pas. Bah oui, c'est bien beau de pas.